C'est bon, ça commence. C'est bon. Salut tout le monde, salut salut, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super, je suis dégoûté que le live ne marche pas sur YouTube, je ne sais pas pourquoi. Il y aura la rediffusion sur YouTube, mais bon ça me fait vraiment... ça me dégoûte. Franchement, je comme par hasard le live il marche pas sur... Attendez, sur YouTube, on est Juste au moment de la finale, quoi. Twitch. Puis le moment où c'est la finale, ça me fait vraiment chier. Mais bon, le principal, c'est qu'on puisse la faire, la présenter. Juste au niveau de l'audio. C'est toujours la petite finale là? Mais non, c'est la finale, mec, là. Ouais, mais t'as mis petite finale comme truc, comme bannière sur le côté. Ah, merci de m'avoir... add media file. Et ouais, je suis resté sur la... c'est quoi? Attendez, juste, on va changer deux, trois petits trucs. Ouais, alors, le nom du fichier, c'est EtherStream. Voilà. Il a Battlefield craqué, non, il a pas Battlefield craqué. Pas Non, du tout. juste, je supprime tous les... Voilà, je remets bien comme il faut. Stream final, voilà. Et le combat commence. J'ai juste à prendre la screen region et on est parti. File, add screen region. Voilà. Et Et mais on là, est comment parti. il a pas crack? De quoi? Crac quoi? Battlefield, tu l'as pas crack, tu. Ah non, j'ai pas crack. Non, non. Allez, on est Putain, c'est pas parti. possible, je crois. Ah, Si, bref. si, si, on peut. On est parti, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Donc, on se retrouve pour la grande finale du Ghoul Terminator 2013 qui est de Joel versus Silhouette. Donc, on est parti. Je suis vraiment désolé de voilà que ça soit pas sur YouTube. Hein, malheureusement, j'avais dit que j'allais faire un live YouTube bug. Ben, malheureusement, c'est la faute à pas de chance. Hein, ça peut arriver hein, que malheureusement, au moment où il faut pas, ben ça bug. Hein, ça pouvait très bien planter pour la demi-finale ou autre. Et ben non. Donc je suis accompagné de Valior, il y a Salut, Best, si, qui va salut à arriver? toi, il y a Best aussi qui va nous rejoindre. Donc voilà, il y a du monde qui va venir petit à petit. Allez, j'envoie un dernier tweet. Le lien du live, voilà. Et j'envoie sur Twitch, c'est bon. Allez, on est parti, je vais présenter un petit peu l'équipe de Silhouette. Donc je lirai, il faudra que juste que tu me lises les questions les plus importantes Ouais, s'il te plaît parce que je vais je faire ça. faut que je me concentre sur le combat, c'est la finale donc j'ai pas intérêt à me gourer pour les sorts et tout. Alors Ouais. en face de Silhouette, tiens Steamer niveau... bah attends, je vais commencer par une autre. Il y a une SRAM donc niveau 211 PS IPM, 4077 points de vie. Ensuite, donc qui s'appelle Laliari. Ensuite, il y a Masterag, Ossa niveau 200, 4393 points de vie, 11 PA, 6 PM. Il y a Light Echo Fekka niveau 200, bien sûr, 4390 points de vie, 11 PA, 6 PM. Et la steameuse Sukushu, 11 PA, 6 PM, 4595 points de vie. En face, l'équipe de Joel, il y a donc Bocal, SRAM niveau 200, 4239 points de vie, 11 PA, 6 PM. Je tiens à dire que c'est mon serveur qui est en finale, donc j'espère vraiment qu'ils vont gagner. Déjà pour voilà, le serveur qui gagne, ce serait vraiment super. Et en plus pour le double XP, voilà, ce serait juste énorme, ce serait vraiment cool. Donc voilà, j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir gagner, hein, je suis tout cœur avec eux. Ensuite il y a le Xel Caillou Ju, Xel niveau 211 PA 6 PM, 4031 points de vie. Ensuite il y a bien sûr mon SRAM préféré, enfin ce SRAM il est juste énorme, Saut, niveau 200, il a combien de PA? 8 PA, 11 PM, et je pense qu'il a dû se prendre un peu des retraits PA. 3764 points de vie. Et pour finir, Onizuka, Eka niveau 200, 11 PA, 6 PM, 4334 points de vie. Donc voilà, on est parti. Très bien joué, très bon placement de la part de Silhouette avec les boucliers. Fraction, je pense qu'il voilà, là il se lance fraction. Ah non, mise en garde, excusez-moi. Est-ce qu'il a... Oui, il a lancé fraction. Donc c'est bon, donc là il se lance 30% de résistance.
Sur lui ou sur l'Ossa, je vais regarder, j'ai pas fait attention. Mise en garde sur lui, est-ce qu'il sur le Feka il a... Non, il a pas. Steameuse non plus. Voilà, donc là ils ont tous les boucliers. Donc là on est parti ben, pour faire un très très bon Ghoul Terminator. Salut ceux qui viennent d'arriver, 154 viewers. Ça fait plaisir, je suis vraiment désolé hein, du petit bug de la petite finale. Bon, vous avez rien perdu, vous inquiétez pas, hein, c'était la... Ulette n'a pas combattu, ils ont vraiment... Ils y sont allés un peu à la mode... À la mode roumaine, hein, ils ont, je crois qu'ils avaient pas spécialement de stuff. Donc, non, le live il bug pas, non. Non, malheureusement, c'est. Alors, ce qu'il faut faire, quand votre le live bug, vous allez sur la vidéo, le live, vous faites clic droit et vous faites baisser la qualité. Vous baissez la qualité, normalement, ça devrait rien changer en qualité. Par contre, vous devriez moins bugger. Donc, ouais. Voilà, c'est super important. En profiter pour ceux qui sont justement sur mon Twitch de vous abonner à mon Twitch en cliquant sur le bouton follow parce que très souvent je fais des lives sur Twitch donc voilà si ça vous tente vous pouvez ben voilà vous abonner à mon Twitch en cliquant sur le bouton follow si ça vous tente ce sera avec plaisir. Diabolo glacial oui si tu veux Diabolo je la rendrai tout à l'heure là par contre je peux pas là alors oui c'est ce que je voulais faire. Allez on est parti. Voilà, je me reconnecte sur l'autre. Allez, ben voilà, le piège de SRAM, ce qui fait qu'ils perdent pas mal de PM quand même, l'équipe de Silhouette. Vu qu'en plus, ils étaient en zone, donc quoi, le SRAM a bien pu se faire plaisir avec ses pièges. Pour l'instant, il n'y a pas trop de questions. Oui, ça viendra petit à petit, ça c'est pas, ouais. C'est pas un très très gros problème, ça. Déjà, ils sont en train de... Alors là, c'est quoi, là? N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à propos... Enfin, pas des questions sur les stuffs, mais plutôt des trucs intéressants. Oui, voilà. Allez-y. C'est ça. Terminator 2013. J'ai oublié de faire ma pub. Final 2013. Joel versus... Tu penses que c'est qui va gagner? J'ai ma préférence pour Joel, hein. C'est vrai que Feka Xel c'est juste énorme avec les glyphes. Vous allez voir, le Feka va se faire encore plaisir. Le lien du live. Le Feka va se faire encore plaisir, donc je sais pas. C'est... Pour le moment, il y en a qui disent que c'est Joel, ouais, vous avez vu. Il commence à envoyer les glyphes, donc c'est parti. C'est parti pour lui, donc bon, ben on va voir. Hein. Rien n'est gagné encore, hein. J'ai bien rien n'est gagné. Donc ben voilà, ça va être très serré encore pour les deux équipes, je pense. Il y a une steameuse qui est là pour soigner, il y a les Kaflip qui est là aussi du côté de Joel pour soigner. Donc de ce niveau-là, il y a le Feka aussi pour les boucliers, l'Ossa pour boost et ressusciter s'il y a besoin. Donc bon, ça risque d'être assez serré quand même, mais je dis pas, ça risque d'être vraiment assez serré. On verra bien de toutes les manières. Il y a Erwan qui dit « Ezor, la vidéo de Karl Louche avec ton cousin, tu vas pas la faire. » Il a déjà sorti il y a quelques semaines, donc tu peux aller voir sur la chaîne. Oui, il y en a, ils l'ont loupé, j'ai déjà sorti la vidéo sur Karl Louche. Ouais. Allez, ça y est, elle invoque l'harponneuse, la steameuse. Oula, attention, gros rocks de la part du steamer, attention, du moins 8. Ça envoie du lourd, du très très lourd de la part du doppel steamer qui peut faire chavirer la balance. Je sais pas si je parle bien la France, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est énorme. Et les K-Flip, voilà, qui la joue. Je vais y arriver, réflexe, voilà. Donc il tape un petit peu tout le monde, il fout de l'érosion. Donc les K, il est très bien. Je sais pas par contre si c'est une bonne idée qu'il soit allé si près. Je sais vraiment pas si c'est vraiment une bonne idée. Après, il y a peut-être le Feka qui va pouvoir lui faire immunité. Ça, il y a des chances. Mais bon, je sais pas vraiment si c'est une bonne idée de sa part de faire ça, quoi. Donc. Putain, 170 viewers. 170 viewers, ah ouais, c'est le live il augmente. La qualité de Twitch est meilleure par rapport à YouTube. Ça dépend. Ça dépend de ton flux ou je sais pas quoi. Tu peux paramétrer, tu peux mettre même en 1080p, etc. Donc voilà. Oh putain, à chaque fois il nous kick, je sais pas pourquoi ça fait ça. Je sais pas à chaque fois pourquoi il nous kick comme ça, ouais. Ça bug à mort, non, ça bug pas du tout, je suis sur le live là, c'est parfait. Y'a aucun truc. Bon attendez, je suis désolé, malheureusement de temps en temps il kick tout le monde. Ce qui fait que ça bug hein, parce que le nombre de personnes qu'il y a sur la map, voilà, vous avez vu, il y a énormément de personnes. Est-ce qu'on a le droit de faire sa pub? Non, on peut pas, non. Désolé, pas de lien dans le chat. Pas de lien dans le chat, ouais. Ni de pub. Ouais, ça y est. Ouais, ok, super, il manquait plus que ça, quoi. Qu'en penses-tu que l'équipe de Defuxia joue aucun stuff à la petite finale?
la petite finale. Bah après, c'est leur choix, hein. C'est sûr que ANA, ils disaient qu'ils allaient, de toute façon, même s'ils jouaient, ils pensaient se refaire encore une fois des DOS. Donc ils se sont dit, autant pas jouer, c'est pas la peine. Et même, je pense même ils voulaient montrer un petit peu peut-être leur ras-le-bol là aussi en Kama, à leur façon de pas jouer pour le. Un petit peu, voilà, baisser un peu l'ambiance, quoi. Vraiment que ce soit pas vraiment une petite finale, quoi. C'est vraiment une finale un peu en mode roumain, quoi. Que ce soit vraiment à l'arrache, quoi. Donc malheureusement, bah, ils peuvent pas faire autrement. Donc c'est leur choix, hein. Faut pas. Ça peut se comprendre aussi un petit peu, quoi. Et Zor, pour la dernière fois, je peux te payer 60 000 ogrins, ça me ferait plaisir. Pour ce qui est des dons, vous pouvez vous diriger vers la bannière, il y a une bannière, vous cliquez et vous pourrez. Enfin, après, pour ce qui est d'Ophus, je sais pas, tu t'arranges avec eux. 60 000 ogrins. En mode roumain. Ouais, mais j'ai rien contre les roumains, mais bon, voilà, on sait très bien que les roumains, C'est une malheureusement, expression. ils galèrent un petit peu dans la vie de tous les jours. Hein. C'est un peu normal. Hein. Mais bon, c'est pas pour ça que je les aime pas autant, mais bon, c'est une voilà, c'est expression du sud. Il y en a d'autres dans le nord, dans l'est de la France. Chacun ses expressions. Allez, ça y est, le doppel du. Ah, il y a Re best! best. Oh yeah, I like that. It's 60 000 ogrins, ça fait presque 80 €. Bon, après, amazing. tu te les gardes hein, si tu veux, t'es cas. Enfin, t'es pas obligé de les donner, quoi. Enfin, personne t'oublie. Eh ben. Eh ben. Et bien sûr, je suis accompagné de Best dans le pour le live. Donc, ben, salut à toi pour ceux qui ne. Eh Best. bien, Re, j'ai bien mangé, c'était T'as bien cool. mangé? T'as mangé quoi un peu? Des Raconte. pizzas. Ah, de Des la pizza. pizzas. La nourriture du geek par excellence. Pizza, frites, boissons sucrées. En famille. En En famille. famille, c'est ça. Sinon, ça aurait été devant l'ordi. Ah bah oui, là. Allez, le Feka qui lance immunité sur Onizuka. Donc c'est parti, j'ai lancé le live sur Twitch, hein, parce que YouTube, ça buguait. Hein. Je sais pas pourquoi, mais il y a pas moyen, donc... Et il faudrait que tu fasses aussi ton combat de chat, là. Comment tu fais? Vas-y, essaie de... Vas-y, vas-y, vas-y. Non, il était nul. Ouais, il Ouais, était il était nul. nul, il était nul, c'est sûr. Voilà, c'était le chat. Il faisait mieux avant. Oh là là. C'est parce que j'ai encore des olives dans la bouche. Hein. C'est pour ouais, ça. Ouais, c'est bon. Ah, Attends, j'en sors une par le nez là. Un des mecs qui commentent peuvent configurer le bot du chat. Quel bot? Ouais. Il n'y a Attends, pas parce de que là, bot. faut regarder un petit peu l'hérésie. Hérésie, Onizuka, ouais. au niveau des résistances, c'est pas mal. 44% fixe en agilité. 30 en neutre en pourcentage, hein, par contre 20% aussi en pourcentage, 12 en intel, 15 en chance. Donc, ça, il a de belles raisons, on peut dire, les K-Flip. Après, je sais pas si c'était une bonne idée de sa part d'aller si près comme ça. Alors, par contre, là, le steamer il tape, hein. Là, le steamer il fait mal. Et la tacticerelle qui pousse, voilà, le SRAM. Je pense que pour les K, ce serait mieux de se. Casser, peut-être de taper par exemple le steamer, mais ensuite de se barrer parce que là il va être en plein milieu de tout le monde et c'est pas forcément ce qu'il faut. Les heures, je peux te donner 134 millions. Bah, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un message privé sur ma chaîne YouTube, hein. Vous n'êtes pas obligé, mais bon, ma foi. C'est des dollars ou des kamas? Des dollars. D'ailleurs, c'est où les dons? Bah, tu cliques, tu descends un petit peu, il écrit PayPal, faire un don à Ezor. Enfin, vous n'êtes pas Et après, obligé, si... ouais, vous n'êtes pas obligé, mais c'est voilà, c'est le juste truc si vous vu avez qu'il y a envie plein de gens qui le font. d'améliorer, parce qu'il y en a plein qui le font, si vous, par exemple, vous voulez pour m'acheter par exemple des équipements d'ordi, des trucs comme ça, si ça vous tente, vous pouvez le faire. Si vous le faites pas, je vous aimerais toujours autant, hein, vous inquiétez pas, hein, vous serez toujours, c'est si vous avez envie, Ouais, voilà, si, parce qu'il y a si vraiment vous avez envie, parce personne que qui je sais prend. qu'il y en a qui aiment des fois aider les youtubeurs ou les gens qui font du stream pour qu'ils s'achètent du matériel pour faire des trucs un peu mieux. Ça, je sais qu'il y en a, par exemple, je sais qu'il y a un mec de, comment ça s'appelle là? Les mecs qui vivent, les riches là, vous savez, les milliardaires là, qui Je avec le vois. pétrole, comment ça s'appelle là? Allez. Ah Les. putain, j'ai le nom sur le bout du nez. Putain, Attends, les vas-y. bourgs. Non, non, allez, les trucs. Merde. En plus, j'ai les sur. Bon, Bon, le bref. premier qui trouve, Ouais, le premier qui c'est un trouve, boss. Attends, c'est pas attends. grave. Allez, ça y est, le Xel qui essaie d'enlever des PA. Donc, ouais, le FK et Xel sont là pour enlever des PA, PM, ralentir au maximum l'équipe adverse. Ce qui fait que, bah, par exemple, la SRAM bon, descend à 10 PA. Bon, c'est sûr qu'elle a Un été boostée, émir, quoi. un émir, Un non? émir, voilà, c'est ça. Un émir qui a fait un don de Ah. 60 000 dollars à un streamer. 60 000 dollars, hein. Donc, bon, Putain. le mec, il a fait comme soit. T'imagines, tu reçois un don de 60 000 Bon, je vais dollars. me monter un bon PC là. Enfin voilà, c'est pour voilà, c'est vraiment vous n'êtes pas du tout obligé quoi. Les Valior, Qatars, voilà les Qatars, ça serait putain, qu'une mes fait abonnés sont au top. dédié. Ouais, Merci. tu Ouais. peux faire une dédié à Maurice Antonio 92. Antonio de la Vega.
Allez, c'est parti, le Zobal, l'Osamoda, pardon, qui soigne DMP très sur très bien. Il y a DMP sur Twitch. Le Zobal qui soigne très très bien, la Liari qui soigne du 500. T'as 200 viewers. Ouais, 200 viewers, et là, le qui tape du 500, du 293 sur le Xel. Donc, So qui joue tout le temps en premier, c'est à son tour de jouer, 11 P à 7 PM, qui a de très très belles résistances, je pense que vous pouvez le voir. 40 fixes en chance, 50%, bon bien sûr il a mis en garde hein, si je me trompe pas, il a mis en garde encore. Donc ouais, il a quand même de très très belles résistances, qui est quand même pas négligeable. Je pense qu'il va terminer le crackler. Ah, ouais, piège mortel, piège répulsif. Allez, il se fait le steamer. Le steamer qui lui reste plus que 2975 points de vie. Et par contre, le SRAM, il reste 0 PA. Il essaie de bloquer un petit peu, bloquer les lignes de vue du SRAM. Il a Liari qui a quand même 11 PM. Qui va peut-être aller se faire soit les K, soit le SRAM. Ça, c'est à voir. Merci pour les 200 viewers, ça me fait vraiment plaisir. Et encore une fois, je le répète, bon, on est en live, hein, forcément, je me répète un peu. N'hésitez pas à vous abonner à mon Twitch pour suivre mes lives sur Dofus, parce que très souvent, je fais des lives avec ma team. Je sais qu'il y en a qui veulent les suivre en cliquant sur le bouton follow qui est juste en dessous de la vidéo. Ouais, ou vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, Facebook, enfin bref, voilà. Ouais. Il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce qu'on gagne à la fin du Ghoul Terminator. Alors, si vous êtes les gagnants, vous gagnez une panoplie du Ghoul Terminator. Donc ce qui fait que vous, quand vous montez par exemple, vous avez une émote qui est de montrer une coupe, il y a tous les mecs de la map qui applaudissent et vous gagnez aussi 30 millions de kamas ou 50 millions, je sais plus, ça dépend en fait des moments, mais voilà, vous gagnez des kamas, une émote, une panoplie, un truc assez sympa quoi. Et toi pour toi, et un titre pour le personnage. Et toi tu penses que ça pourrait être qui pourrait gagner la best? Ouais, j'en arrivais, je sais même pas qui sont les bleus, qui sont les rouges, c'est un peu freestyle. Les bleus c'est Joel et les rouges c'est Silhouette. Ah bah c'est les rouges qui gagnent alors, c'est sûr. Ah toi t'es pour... enfin après je sais pas, mais toi tu serais pour... Valeur demande, pour Joel. Demander quoi? Techniquement je pense que c'est Silhouette qui va gagner, mais bon après... Zor Pitié fait une dédicace à mon cousin Johan, c'est son anniversaire. Bah, enfin, bah dédicace voilà, à ton Johan. Cousin Johan. Je suis sûr que c'est lui et il fait salut Azor, sur Farley il y a une team avec les mêmes noms et mêmes couleurs que toi et il demande des dons. Ah ça c'est pas... Sur qui tu dis? Farl. Il y a des gars qui sont passés pour toi. Ok, qui bon, c'est dons. Ok, c'est pas grave, je vais faire une vidéo spéciale comme ça au moins je dirais de pas ah non faire... tu peux faire une demande à Ankaba ou je sais pas quoi. Ouais, parce que c'est grave là quand même, c'est de l'argent IRL. C'est donc... l'usurpation. Ils ont même arnaque. Enfin, quand ils t'arnaquent demande... des kamas, ils s'en foutent un peu, mais des euros, c'est un mais peu chaud. Mais c'est des euros qu'ils demandent. Ouais, bah ils demandent des dons. Ah ouais, non, peut-être des dons IG, je sais pas, mais même c'est trop. Ça, je ouais, peux tu pas peux, supporter. Tu peux faire une demande. Puis bon, pour ton image, après, c'est un peu con. Ouais, ah ouais, parce qu'autant ils font des conneries, ils vont croire après que c'est moi, donc. Ouais, voilà. Oula, Dragonet qui prend cher. Ouais, Dragonet qui prend cher. Tu peux faire un chocolat chaud. Bon, oui, tu peux te faire un chocolat chaud, y a pas de problème. On est là, on reste là. Mais prends une paille, je trouve que c'est plus soigné. Prends des lunettes aussi, tu fais un peu à la mode. Ouais. Puis mets une éponge dedans. What? Pourquoi? J'aurais une carte bancaire, je t'aurais fait un don, mais j'en ai pas. Non, deuxième mais temps, c'est pas grave, vous inquiétez pas. C'est pas grave. C'est pas grave, il prend les chèques. Hein. Pas de soucis. Il prend les chèques. Les voitures et tout, si vous avez des gros colis, c'est marrant. Bon, envoyez, si vous, avez, vous êtes milliardaire, vous avez un avion de ligne, je suis preneur aussi. Ils sont en double. Si vous avez des poupounes par l'occasion, je suis preneur aussi. Ezor, je t'ai fait un don de 5 euros. Qui c'est qui a dit ça? GG. Je crois que j'ai déjà vu plusieurs fois sur le stream. Si c'est vrai. Eh ben, rendez-vous tous demain à Avignon, puis Ezor paye les croissants. Bah, je vais voir. Attendez, je vais voir si c'est vrai. Je vais essayer de voir un petit peu le combat pour pas trop me défaire du combat. Je vais lire les questions en attendant. Oula, le Xel qui prend cher, à moins de 472. Salut Azor, je viens d'arriver. Je sais pas si cette question a été posée, mais as-tu une préférence pour l'une des deux équipes de cette finale? Ah ah ah. Ben Joel. Ah oui, là pour le moment c'est Joel. Là. Là, je suis pour Joel parce que c'est mon serveur. Donc forcément, j'ai vraiment envie que ce soit eux qui gèrent. Donc. Donc non, ouais, j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir jouer, qu'ils vont pas se la jouer
à se dire ouais, on va gérer tout, on va les défoncer et qu'ils jouent mal. Donc bon, j'espère vraiment qu'ils vont la jouer serein. Et Zor veut le double XP. Double XP pendant le week-end. Le double XP, ouais. Il a frappé le mec invisible. Merci pour ceux qui veulent me faire des dons, merci vous, c'est gentil de vos parts. Vous sentez pas obligé, si vous en faites pas, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Mais merci vous si vous en faites. Tu veux des poules, je peux te faire des dons. Des poules. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Poules. Tu peux les envoyer à l'adresse qui est dans le. Allez, les poules, des poules. Ça, tu ferais un commerce de poules. De poules. Oula, voilà. So qui vient de Zor, prendre. Je peux te faire un don de 15 euros max. 418 dommages. Il vient de se prendre 418 dommages. Il vient de relancer piège répulsif sur. Donc là, il je joue. Je fais un don de 35 euros, putain. D'accord. Va vérifier. Non, non, mais attends, s'il te plaît. Faut vraiment que je me concentre pour le Goultard. Parce que après, s'il y en a qui regardent la rediffusion, ils vont râler, je les comprendrai. Donc c'est un peu normal. Juste pendant 5 minutes, je me concentre un peu sur le combat. Pas de problème. Donc, piège d'immobilisation et poison insidieux sur Sceau, et il lance une petite arnaque sur le Xel à moins 190. Donc c'est parti, c'est au tour de Bocal de jouer. Il va peut-être relancer les pièges, et ce serait bien qu'ils essaient de terminer soupe aux choux en premier. Ça fait un peu genre soupe aux choux. Ouais, non, là, ça fait un peu genre ouais, soupe aux choux, un truc du genre. Soupe aux choux. Soupe aux choux. Oula, soin énorme, super. Très bon soin de la part de Bocal avec l'archétype qui est très utilisé sur Pour The Ghoul Terminator, ça fait plaisir. Surtout que c'est putain de rentable parce qu'il a fait aucun dégât du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. Par contre, je répondrai à vos questions un petit peu après pour tout ce qui est team, tout ça, parce que malheureusement, je suis pour le Ghoul Terminator donc je peux pas répondre à toutes les questions, faut vraiment que je suive le combat. Donc c'est un petit peu compliqué. Allez, c'est au tour de la steameuse de jouer Sukoshu, 10 PA 8 PM. Et qui s'éloigne. Hein, qui s'éloigne le plus rapidement. Pour avoir les boucliers, je pense. Pour avoir les boucliers du Feka. Si je me trompe pas. Et elle lance cuirasse sur le Feka. Le Feka qui reste. Donc pour le moment, je sais pas pour toi, tu penses que ça peut. Tu sens que qui est bien parti toi pour toi Best? Ben là je dirais Silhouette, ça m'a l'air pas mal. Ouais. Ouais. Puis en plus avec Loza, net avantage hein, Loza, qui peut ressusciter. Mais là. Je vois pas l'intérêt d'avoir fait ça sur le moment. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça en fait. Oh, c'est fou. Pourquoi elle a fait téléporter l'attaque Tyrell pour pousser Loza, je comprends pas. Là, sur le coup, je capte pas là. Et le par contre, les cas qui va se faire un plaisir de rien taper, juste donner de l'érosion. C'est déjà pas mal. Hein. Il donne de l'érosion. Ouais, et boy, c'est toujours ça. Ouais. Mais il donne de l'érosion pour faire la faire baisser, parce que de toute façon, il y a trêve pendant un tour encore. Donc bon, ben ils en profitent un maximum. Tu as payé combien ton PC, Ezor? Mon PC, je l'ai payé 1600 euros pour vraiment avoir un PC de. Enfin, un très très bon PC pour pouvoir vous proposer des vidéos. Sur des vidéos sur tous les jeux sans avoir de bugs pour vraiment vous présenter tous les jeux qui peuvent sortir quoi. Donc voilà, et pour faire des lives sans bugs vraiment avoir du matériel de qualité quoi. Donc c'est pour ça que avec le clavier souris écran non il y avait juste l'écran et clavier souris clavier, faut que j'en achète. Ouais. Malheureusement je ne peux pas encore, mais là faut que j'en achète une souris parce que j'ai pas une souris de gamer, j'ai une souris de bureau on va dire. Donc juste pour aller sur internet, donc qui est pas forcément truc de base, super, quoi. Voilà. Il y a un clavier, faudrait que je m'achète un clavier de gamer, parce qu'il va y avoir Battlefield 4 qui va arriver, et ça serait cool que j'ai un meilleur clavier, quoi. Allez, ça y est, le Xel, Kaiouju qui enlève des PA encore au SRAM, qui donc lui reste 10 PA. Et Kaiouju qui s'éloigne. Donc il a voulu foutre... Ouf, putain, il s'y prend encore 500... Putain, je sais pas s'il a vraiment fait... Il a vraiment bien fait de jouer le Xel. Parce qu'il s'est pris comme 562 points de vie. Et il s'est pris du moins 560... Ouh là, je vais y arriver. Du moins 562. Voilà. Allez, là. J'essaie de la jouer un petit peu... De l'espace. Ouais. C'est quoi la musique derrière? La musique derrière, c'est parce qu'il y a un restaurant italien et ils font une petite soirée pour faire une soirée quoi.
Donc, oh putain, c'était perspicace. Perspicace. Merci, donc, perspicace boy. Alors, tu nous sors les pourcentages en pourcents. Là, les soirées des soirées. Bah ouais, c'est bien. Hein. Ouais, il faut une soirée pour faire une soirée, quoi. Il y a un crackler en pierre, là, tu feras gaffe, hein, quand même. Un crackler de pierre, il y a du bois d'arbre aussi. It's amazing. Voilà, on fait un live en live. Ouais. Oui, c'est voilà. Ça. C'est tout à fait ça, on fait un live en live. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. On sent un truc de malade. Oula, ils viennent c'est prendre encore du moins 609 au piège mortel. Au piège de la mortelle. So, il reste 2487 points de vie. Hein. C'est très serré. Hein. Il retire en plus de. De la force à l'Eka Flip, ce qui fait que là il a moins 200 force et il a moins, donc en tout il a moins 310 en force et moins 110 en agilité. Donc bon, c'est pas super pour Onizuka, c'est assez compliqué pour le moment. Il y en a un qui demande c'est quel restaurant. On est pas con quand même. Non, je vais pas le dire, mais c'est un restaurant en tout cas. oui. Parce que je sais qu'il y en a, c'est quel restaurant, ils vont taper sur Google. Le mec, il va taper à toutes les portes autour du restaurant pour essayer de tomber chez les ors, tu sais. Bonjour, vous êtes les ors non. Non. Pour toutes les questions, là, ralentissez un petit peu, on les posera. Enfin, oui, ralentissez un peu sur les questions, parce que le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les... Puis après, il y a le truc à commenter, donc... Ouais. 255 viewers. Ouais, merci à vous. Et j'espère. Il va falloir que je m'organise pour faire la vidéo et contacter Ankama. Faut que je contacte juste Ankama pour leur dire que quelqu'un qui prend mon identité. Ouais, tu peux même porter plainte et te faire plein de fric. C'est vrai ? Ouais, mais c'est un jeu là, il prend pas de l'argent, il prend de l'argent. Bah non, c'est interdit même sur internet, c'est une loi, tu peux pas te faire passer pour quelqu'un. Il y en a beaucoup qui savent pas, mais les lois que t'as dans la vie IRL, ça marche sur internet et c'est pris aussi au sérieux. Bah ouais, c'est pas parce que tu t'amuses. Enfin bref, tu peux porter plainte, hein, s'ils okay. Le retrouvent. Bah de toute façon, je ferai quand même une vidéo pour aller prévenir, quand même, pour les petits malins qui veulent s'amuser à recevoir des dons. Donc, ouais, t'as bien fait de me le dire. Après, si tu veux, je peux t'écrire un truc, un mail et tout ça. Ouais, mais de toute façon, je vais contacter quand même pour leur dire que... Valior, la secrétaire des ors. Bah, par contre, ça s'arrête là, hein. C'est juste secrétaire. Ouais, ça s'arrête là, une fois que t'es passé sur le bureau, ça s'arrête là. Hein. On se parle pas ensemble, hein. Voilà quoi. Des ors, c'est quoi ? Putain, les questions en majuscules, les gars, évitez s'il vous plaît. Ouais. Je t'ai vu la dernière fois, IRL, j'ai pas osé venir te voir et là, je regrette. Ah bon ? Tu m'as vu où, IRL ? Tu m'as vu où, IRL ? Et un mois de prison de 2500 € d'amende. Ouais, ça c'est pas de maximal. Ouais, quand c'est genre tu fais un gros coup monté, tu te fais un max de fric. Après, ouais, tu mon personnage principal pour moi c'est le Zobal, voilà. Qui est dans ma team. Il s'est fait pirater. Non, il s'est pas fait pirater, il y a juste un gars qui s'amuse à. Non, il y a juste un gars sur le serveur Farl qui s'amuse à recopier ma team et qui met les mêmes noms et qui demande des dons quoi. Donc ça c'est interdit, il a pas le droit de se faire passer pour moi et donc si je veux je peux aller porter plainte carrément si j'allais à l'extrémis. Donc il y a du devoir à Auchan. À Auchan. Oh putain, c'est vrai les rollbacks, ça faisait longtemps ça. Ça faisait longtemps les rollbacks ça. C'est vrai qu'ils ont pas de Xel dans l'équipe de Silhouette, ce qui pose problème pour eux, donc ouais. Et ça replace en plus le steamer dans les glyphes, donc ça c'est parfait. Le steamer qui a que 10 PA là. Donc là, l'Osamoda qui va booster le steamer. Le steamer qui a quoi comme boost Ouais, ok. Donc pour moi il en a pas forcément. Enfin, à part le boost, c'est juste scaphandre. Qui, pour ceux qui connaissent pas, donne 25 dommages, 40 dommages poussés et 2 PM. Apparemment, il y a aussi sur Lee Crouch. Lee Crouch aussi. Après, tu demandes à Ankama de voir tous les pseudos. Puis ouais, je vais leur dire. Fais un gros delete. Je vais contacter Ankama, je vais leur dire de faire gaffe pour tous ceux qui sont. Les ors, tu prends des dons sur PayPal. Oui, il y a une bannière en dessous. Oui, si vous avez envie, vous descendez un petit peu la vidéo du live et en bas il y a marqué PayPal, faire un don à Ezor. C'est pas obligatoire, je viens de le reciter parce qu'il y en a, ils vont dire ouais, Ezor il veut se faire des canards, il veut se faire de l'argent, ça y est, il est sur YouTube pour se faire du fric. C'est bon, je précise que c'est pas obligatoire, vous faites comme vous voulez. Voilà.
Si vous avez envie pour m'aider, vous le faites. Sinon, ça restera toujours pareil avec vous. Vous inquiétez pas. Perso, je suis avocat. Ce qu'il fait mérite une amende de 1 500 €. Si tu veux poursuivre le gars, tu peux me contacter. J'ai de bons contacts. Tu ferais un max d'argent. Il est marrant, je... Déjà, un avocat, ça écrit pas comme ça, mais bon, ok. Je suis avocat. Non, mais ça arrive. Moi, je suis. Tu peux avec une fois. Ouais, je sais, j'ai niqué les oreilles. C'était fait exprès. Désolé. Allez, on est parti. Ça... Et pour une fois encore, pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas encore mon Twitch, n'hésitez pas à me follow en cliquant sur le bouton follow. Comme ça, dès que je fais un live sur Dofus par exemple ou sur d'autres jeux, ben vous êtes au courant. Voilà. Il y a Maurice. Maurice, il demande quelle est ta classe préférée. J'avais déjà répondu. 6000 fois, on a déjà répondu donc. J'en ai pas vraiment. J'aime bien les Feka et les Obal. Moi, Feka, j'aime bien qui font du PVP. C'est super sympa. Moi, j'aime beaucoup. Donc, oula, attends. Ah, oh, attends, il y a... Ah non, c'est le double de... Ok, c'est le double. C'est pas le vrai... Ok. Combien coûte le jeu DayZ? Il coûte environ 30 € ouais, sur Steam. DayZ, je vous en ferai... Je sais pas, j'hésite à faire un live sur DayZ tout à l'heure, après le Ghoul Terminator. J'hésite à en faire un. Donc, est-ce que je vais en faire un? Je ne sais pas, mais... ça dépendra si vous voulez que... De toute façon, je pense en faire un. Parce que ma team, mes persos de ma team sont pas abonnés sur Dofus, et j'ai pas envie de les abonner ce soir, ça va être trop compliqué. Par contre, demain, il y aura un live sur Dofus, demain soir, donc... Ezor, pourrais-tu faire une vidéo tuto sur les logiciels pour filmer son écran et avoir beaucoup de vues? Ok. Beaucoup de vues, pour vous y contribuer peut-être, mais vous dire pour avoir beaucoup de vues, ça peut-être pas possible. Il n'y a pas de technique. Hein, vous y contribuer peut-être un petit peu, et pour filmer, ouais, pourquoi pas. Si, pour faire des vues, il y a une technique, hein, c'est faire des trucs cool et de qualité, puis... Ouais, oui, non, mais c'est pas vraiment une technique, c'est la base du truc. Oui, voilà, c'est la base, mais pour se faire 200 000 vues, pour le mec qui veut se faire 200 000 vues, ça sera difficile, quoi, il pourra pas... C'est pas en faisant une technique qu'il va se faire obligatoirement 200 000 vues, c'est ce que je veux dire, quoi. C'est s'il a de la chance, si sa vidéo elle est bien référencée, enfin bref, c'est tout un tas de... Attends, il y a un gars qui a demandé une dédicace depuis tout à l'heure, D-Dreams Vidéo. Bah, dédicace à D-Dreams Vidéo. Yeah. D-Dreams Vidéo. Ah, le Xel qui est mal placé là, par contre, malheureusement, pour lui. Ou sur Xoliocraft sur DayZ. Ouais, tu peux faire aussi. Non, parce que je suis en train de faire mon aventure sur lui, je peux pas avancer. Ah ouais. Et ouais, je suis bloqué pour les vidéos, donc je peux pas avancer, sinon ça va me décaler. Après, je peux te passer un compte si tu veux. J'en ai plusieurs. Si tu veux. Ouf, non, je préfère continuer. Non, je préfère pas. Non. Parce que j'étais pas parti sur du Minecraft, mais je vous en fais un, vous inquiétez pas sur Minecraft. Mais là, je suis pas parti pour. Là, donc. Ezor, une autre interview, j'ai bien aimé celle de Hank Bang. Ouais, elle a fait beaucoup de vues seule. Ouais, peut-être par un mec qui fait des très grosses. Enfin, de très très bons exos, je vais voir. Je vais voir si ça peut être sympa. Il m'a demandé de peut-être l'interviewer, donc je vais voir si ça peut être cool. C'est cool, tu peux te spécialiser dans les interviews. Ah oui, tu peux faire Jiloweb. Ezor, passe en mode relax. Vas-y, on essaye. Ezor, passe avec Jiloweb. Vas-y, essaye de faire comme si c'était Jiloweb, vas-y. Ah ouais, mais attends, il est inimitable. Ezor, passe en mode relax avec non, Cortex. Avec Cortex. Bon, en même temps, je suis pas super fan de Jiloweb, quoi. À part. J'ai vu quoi la vidéo avec Diablo X9. Oui, je connais Fezo, je joue très souvent avec lui sur Dofus. Enfin, en ce moment un peu moins parce que j'ai pas eu le temps, mais souvent je joue avec lui Fezo. Ouais. En coulisée homme. J'en suis au Colosso Drew Team. Vive With Gamers. Et oui, j'ai été au plot chez With. Oh punaise, il s'est fait plaisir le Xel là, il a enlevé 2 PA à Sukushu, à Light, Echo, à la Gardienne et à Masterak, ce qui est quand même assez sympa quoi. Là c'est au tour du Masterak de jouer donc au Halo Samoda qui, qui enlève la. Ah d'accord, il préfère invoquer le dragonnet pour désembouter le Kaiju, je pense. J'ai plein de questions. Par rapport à Hagrid, j'ai pas suivi. Je préfère pas dire n'importe. Je préfère rien dire sur Hagrid parce que j'ai pas suivi, malheureusement. Je pouvais pas. Hagrid dans Harry Potter. Alors attendez, ça méritait. Ezor joue que sur PC, pas sur les consoles. Ça méritait une bonne blague.
Hagrid dans Harry Potter. Non, non, c'est pas du tout ça. Ça porte quoi. Et alors, je suis animateur radio, Dofus Radio. Je me suis dit, si tu pouvais bien que je t'interview sur ta team. On m'a fait une interview il y a pas longtemps. Je sais pas. Pour ta radio, me poser 2-3 questions, ouais, mais en faire vraiment une grosse interview, je sais pas si c'est. Je sais pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont démarché et je leur ai dit que j'étais pas sûr. Ce qui fait que si je dis oui à toi, je sais pas. Faut pas non plus que ça soit une habitude de faire des interviews de toi, quoi. Enfin. Mais j'en ai déjà fait une avec Next et je sais pas si ça vaut vraiment le coup que j'en refasse une encore une, donc. Surtout que bon, c'est pas comme s'il y avait de nouveaux trucs qui viennent d'arriver. Oui, ouais, c'est sûr, ouais, donc bon, je sais pas. Pour le moment, c'est. Ah, Fedzo, il a plus de 100 000 abonnés. Oui, il a 120 000 abonnés, Fedzo. Ouais, mais la dernière fois que j'ai vu sa chaîne, il venait de passer les 10 000. Les 10 000. Abusé. À Orange, j'ai vu Ezor. Ok. Par contre, si tu. D'accord. What? Tu bug en mode G-Lowell. Je bug. Non, tu bug, non, c'est de la voix. Ah bon? C'est toi qui bug, quoi. C'est ouais, cerveau. Le chat qui bug là. Python, what? Je t'ai ban vite fait, mais je t'expliquerai pourquoi plus tard. C'est pas parce que t'as fait un truc qu'il fallait pas, mais je t'ai fait un petit peu, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Attendez, parce que là, il y a le chat qui bug là. Y'a tout le monde qui demande. Oh, il bug. On pourrait pas mettre en mode slow le chat. Attends, je le mets. Ouais, mais le parce chat là, en mode slow parce que sinon le chat il va bugger et on pourra plus parler. Le pire c'est que c'est les mêmes questions en copier-coller à chaque fois. Donc. Attends, je me découde. Le Xel plancher, le Xel plancher. Plancher. Putain, ça bug. Ça met que je suis connecté, mais que je suis pas connecté, ok. Non, DJ, mais je peux pas faire des vidéos sur d'autres youtubeurs, c'est pas la peine, c'est même pas. Je peux pas, c'est pas possible. Si je fais d'autres vidéos sur d'autres youtubeurs, c'est bon, j'arrête pas. Déjà que j'arrive pas à faire des vidéos pour moi-même, et même si je peux pas parler d'autres personnes. C'est. Après, si je parle d'une personne, il y a d'autres personnes qui vont me dire est-ce que tu peux parler de moi, est-ce que tu peux parler de moi, ça va être l'enfer. C'est pour ça que je fais pas de pub sur ma chaîne YouTube. Pour d'autres youtubeurs, parce que sinon ça va être l'enfer, ça va être ingérable, donc je préfère vraiment pas. Python, ouais, je t'avais. Ouais, c'est bon. Les gagnants vont gagner des kamas et une panoplie et une émote. Voilà. Des kamas, ça peut, je crois, aller jusqu'à 30 ou 50 millions de kamas. Une panoplie du Ghoul Terminator, qui est assez belle, justement. Panoplie du champion. Panoplie du champion, ouf. Bon, 404, il a pris le dragonnet, là. Avec Félation. Ouais, si vous vous spammez trop, je mets en slow mode. Ah mais mets-le en slow mode mec, hein. Mais tu peux ouais, commencer. Sinon je le mets. Ouais parce que là sinon oh, c'est, wow. C'est la galère. Valeur parle un petit peu de toi, présente-toi. Non. Les orques ont-tu participé au Ghoul Terminator? Pour le moment non parce qu'il faudrait que j'ai un stuff déjà précis pour faire le Ghoul Terminator. Donc non, j'ai pas de perso de sang, j'ai pas de Dofus Sock, j'ai pas de Dofus, donc pour le moment c'est mort. Et j'aimerais peut-être bien y participer, ça peut être cool, mais non, là pour moi c'est pas faisable quoi. Allez, c'est parti. Le Xel qui essaie de terminer le dragonnet, je pense que c'est fait, et qui essaie d'enlever des PA un petit peu au SRAM, au FECA, mais au FECA il est pas arrivé. Et il invoque le cadran. Ezor, dédicace ouais. À ma mère, s'il te plaît. Son anniv aujourd'hui, il y a plein de monde chez moi, je les ignore pour regarder ton live. Ah bah merci à toi et dédicace à ta maman. Voilà. Et va les rejoindre un petit peu. Faut pas que tu restes sur l'ordi pendant l'anniversaire de ta maman. Voilà. C'est la moindre des choses. Ouais. Putain, c'est l'anniversaire de ta mère. Quand même, ta mère. Serge. C'est qu'une fois par an. Serge. Bon, le Ghoul aussi, mais. Oui, le Ghoul Terminator aussi, mais bon, c'est comme ça. Allez, c'est parti, Master Hack. Il a re-invoque son dragon et super. Alors après, à sa place, j'aurais. Moi, bon, peut-être pas, non, vu qu'il y a personne qui va crever encore pour le moment. Enfin, j'espère pour lui. Zor fait pas l'interview, il t'envoie un site et met des trucs dans ton ordi. Ouais. D'accord. Ouais, après, ça ouvre le lecteur CD et puis il y a un cookie. Il y a un cookie. Oh putain, j'ai cru que j'allais me casser la gueule.
Putain, mon fauteuil, enfin, un truc bizarre. Enfin bref, allez. Voilà, donc faites un don pour le fauteuil des ors. Il n'a plus que 2 boulettes sur 4. Ouais, c'est pour un gitan, god. Non, c'est bon. Les roumains, les gitans, allons-y. Mec, il a un ordi à 1006, tu sais, il a un bureau, c'est avec des trépieds, une planche en bois, souris carrefour, clavier, c'est bon, il vit. Mon dieu, mon carton est tombé. C'est bon. Allez, putain, il me casse les couilles cet insecte là depuis tout à l'heure. Allez, c'est parti. C'est les orques qui a parlé dans le chat. Oh là là. Ouais, c'est moi. C'est le plus beau jour de ma vie. Non, non, c'est pas toi. Putain. Non, c'est moi. Je me lave plus jamais les yeux. Je me lave plus jamais les yeux. Je cligne plus des yeux de toute ma vie. Merde, c'est trop peur. Ah, j'ai essayé d'arrêter de cligner les yeux de longtemps. Les orques, t'es trop fort. À quelle heure le live demain soir? Le plus souvent, c'est 21h les lives. Que ce soit sur DayZ, sur Dofus, ouais, c'est BF3, c'est 21h. Oula, attends. Oula, c'est bon, Light Echo qui a bug. Ouais. J'espère qu'ils se font pas des DOS, ce serait dommage. Je pense pas, non. Non, il a juste des échos, je pense, ça doit être un problème de chez lui. Je t'offre un Dofus Vulbis. C'est gentil, merci à toi. Putain, elle est vraiment énorme cette musique 1.9. Oh là là, je sais pas pourquoi ils se sont cassés le cul à changer alors qu'il y a même pas la peine. C'était même pas la peine de changer, quoi. Zor, commente le combat, s'il te plaît. Concentre-toi. Mais on commente le combat, vous inquiétez pas, on commente le combat. Allez, Bocal. Là, il est où, Bocal, là? Ok. Est-ce qu'il va... Oh, il a reposé les glyphes. Il va essayer de reterminer encore une fois le dragonnet. Il reste 2 PA. Flemish, c'est pas possible parce que le dragonnet, il a 90%. Et il fait une mise en garde sur les cas qui lui reste plus que 1999 points de vie. Les cas, c'est hard pour lui. Franchement, c'est vraiment compliqué. J'espère qu'il va. Pour moi, c'est très serré. Hein. Pourtant, il disait que ben, l'équipe de Joel allait rétamer Silhouette, mais c'est pas le cas du tout. Mais du tout. Donc, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais bon. Tu crépites. Non, je ne crépite pas, non. Allez, Sukoshu. Invoque l'harponneuse. Donc voilà, pour bloquer. Ah ouais, là, ils sont vraiment bloqués, là. Là, ils sont vraiment gavés, là. Tu crépites, Azor, quand tu parles. Ouais, tu crépites. 260 viewers. Ouais, c'est ça, 260 viewers. Viewer, comment il écrit ça, mon dieu. Avec 450 force, une petite roulette, là il se donne des PM. Onizuka, elle a encore des PM qui monte à, donc à 2 PM. Enfin là il a 2 PM. Et il tape l'Aliari. 224, 224. Il reste plus que 2000 points de vie à l'Aliari. Il lui reste 2500 points de vie de base. Elle a reçu pas mal d'érosion, l'Aliari, donc c'est assez compliqué pour elle. Et bien sûr, bah là c'est assez hard parce que ouais, c'est vrai que les cas il reste 1999 points de vie. Encore le Xel, ça peut aller. Bon, ça il reçoit un peu de soins de la part du chaton, heureusement. Mais il y a la gardienne qui risque de soigner aussi. Donc bon, le SRAM, donc ça risque d'être. Ouais, en plus il lance renvoi de sort le Feka sur la SRAM. Donc là, bah, ça va être full cac sur le SRAM. Malheureusement, ils n'auront pas le choix. Ils vont vraiment pas avoir le choix, donc ils ont intérêt à se bouger un petit peu. Sur la chaîne Enquête TV, ils ont plus de 1500 personnes en viewer. Ah oui, mais c'est un stream officiel. C'est un stream officiel, ce qui fait qu'ils ont l'aide d'Ankama pour la pub. Donc forcément, ouais. Ils ont beaucoup plus de personnes que nous. Donc nous, on est un stream non officiel, malheureusement. Donc ce qui fait qu'on a moins de monde. Mais bon, la prochaine fois, l'année prochaine, si Dofus existe encore, on vous organisera... C'était mieux placé, ça. On vous organisera... Truc furtif, personne ne va entendre, allez. Ouais. Allez, c'est parti, Monsterac. Masterac, pas Monster. Qui fait que de réinvoque, désinvoque, il lance fouet il arrête pas de fouetter Masterac, il aime bien ça. Et il lance encore 2 PA sur l'estimeuse. Ouh là là, ils sont 7700 sur le crépuscule. 7500, bon, en même temps c'est la finale. Hein, c'est 7700. Ouais, mais ça m'étonne pas, ouais, c'est la finale, donc forcément c'est...
De toute façon, tu sais comment ça va finir, le Ghoul Terminator d'Office, je pense que ça va être que eux qui vont le stream vu qu'ils sont pistonnés par Ankama. Tu crois ? Il va y avoir plusieurs chaînes Crépuscule et puis ils vont s'occuper de tout, je pense. Parce que t'as vu les efforts qu'ils font, ils font des trucs IRL et tout, ils se mettent vraiment à fond dedans. Donc je pense que ça va finir comme ça. Ah ouais. Et ils ont combien de follow pour voir ? Ouais, attends, je vais voir, je remets la page. Sur Twitch ? Ouais, sur leur Twitch pour voir. C'est ça les followers ? 1700. 1700 follow ils ont. Bah franchement ouais. Je trouve qu'ils auraient pu avoir beaucoup plus hein, parce que avoir 7000 followers et avoir à peu près 2000 personnes à chaque fois, ils auraient pu monter vers les 2-3000 je pense facilement, mais ils ont pas dû faire assez de pub. Ça c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que quand les gens l'année prochaine ou quoi ils feront d'autres streams, bah, ils seront prévenus par un mail comme c'est par exemple moi. C'est pour ça que je dis toujours à mes abonnés de s'abonner à mon Twitch en cliquant sur le bouton follow, parce que comme ça au moins dès que je fais un live ils sont au courant. Et c'est un petit peu dommage de leur part quoi, de pas avoir fait ça, donc bon bah tant pis hein, ma foi, c'est déjà pas mal 1700 quoi. Déjà 1800, toi. Par contre, 1800, la vue de les... Ouais. Les vues de leur chaîne Twitch, ils ont fait x10. Hein. Ils sont passés de 50 000 à 550 000, comme ça. 550 000, t'es sérieux là? Ils sont à 560 000 vues là. Ils étaient à vers les 60 000 je crois. Ouais mais après par contre, après le Ghoultar, ils pourront plus faire autant de vues malheureusement. Ouais. Bah par contre, couteau, il continue quand même à faire des tournois. Comment il a fait couteau pour envoyer ça? Il a envoyé quoi? Ah, ça a été delete. C'était quoi? Salut géant. WarZ, non, j'aime pas War. Enfin, j'aime pas trop le style WarZ. Après, il faut aimer. Mais j'aime pas trop. Je préfère plus DayZ. On se pourrit de WarZ. Enfin, après, il faut aimer. Hein, après, chacun ses jeux. Mais bon, c'est vrai que. Je préfère DayZ. Je trouve qu'il y a plus d'ambiance. Et... Après, c'est mon ressenti. Hein, après, voilà quoi. Allez, c'est parti, le Steamers, qui ne reste plus 4 PA, est-ce qu'il va taper un petit peu les K-Flip, ou pas? Ça, c'est pas dit, en tout cas, encore, donc... ça s'est passé comment, ton bac Ezor? Bah, très bien, j'ai eu une mention, donc... je suis assez fier, assez content de moi, donc, bon, voilà. Il y a que Ezor qui peut... Oh là, ça bug. Oh, putain... Il y a Tacticirel qui a poussé l'Asram, le Xel. Donc ce qui fait que ben, les cas là va aller se faire le Steamer. Qui a quand même 50% de résistance en agilité. Donc bon, il pourra pas taper des masses non plus. Il tape même pas en rien là. Le Steamer il tape. Ben oui. Ah mais oui, j'ai pas fait gaffe. Le Bocal a lancé Trêve. Bocal a lancé Trêve. Bocal il lui reste 2700 points de vie, il a 4000 de base, donc bon, ça reste encore raisonnable. Ça reste vraiment raisonnable. C'est pas comme par exemple. Par exemple, les cas qui reste plus que 2300 points de vie de base, ou la Sramet, l'Aliari qui reste plus que 1939 de base, et là il reste plus que 1527 points de vie à la Sramet. S'ils arrivent à terminer la Sram, ce sera déjà un bon point pour Joel. Ils vont un peu moins galérer. Déjà, ça fait un Roxor en moins, un placeur et un mec qui ralentit en moins. Donc, c'est toujours un bon point. Donc voilà. Ouais. Mais ça, quand même, l'érosion, c'est un bon truc qu'ils ont rajouté. C'est vraiment. Ah oui, l'érosion, c'est une bonne idée. Ouais. Franchement, ça, c'est. C'était un truc primordial qu'ils avaient totalement zappé de faire au début. Mais... Ouais. Très, très bon. Très, très bien pensé. Et bien sûr, il y aura la rediffusion du Ghoul Terminator sur mon Twitch et sur ma chaîne YouTube pour ceux qui voudront regarder. Donc voilà, ouais. Ezor, est-ce que Dofus affecte ta vie IRL? Utilises-tu de l'argent IRL pour avoir des ogrines? Tu n'es pas obligé de répondre. Alors, est-ce que ma vie affecte Dofus? Non, alors Enna, ça leur affecte parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leur temps. Ils n'arrivent tout simplement pas à gérer leur temps, donc ils passent leur journée. Après, ils te font des vidéos genre « Ouais, Dofus a détruit ma enfance, j'ai loupé mes amis, machin. » Tu sais, ils font des genres de vidéos, je sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est juste qu'ils n'ont pas réussi à gérer leur temps. Malheureusement, ils ont vraiment été addicts à ce jeu. Moi, non, ça m'arrive par exemple pendant 3 jours de pas y jouer. Alors, ce qui me fait juste chier, c'est juste de, par exemple, d'abonner ma team. Ça, c'est un gros problème que j'arrive pas encore à gérer, malheureusement, et que je pense n'a jamais y arriver. C'est que quand j'abonne, par exemple, ma team pendant une semaine, ce qui me coûte à peu près 2 100 000 de kama, à peu près, ou 2 millions de kama par semaine, c'est que, par exemple, pendant 3 jours, je peux pas jouer. Par exemple, je sors. Bon, ça, c'est pas un problème, je peux sortir, mais ça me fait chier, c'est que je perds quand même 3 jours d'abonnement avec lesquels ben, je ne me sers pas. Donc, c'est vrai que ça serait bien si Ankama pouvait faire un sorte que
l'abonnement compte qu'à partir du moment où tu joues. Ça pourrait être sympa, mais bon. Ouais, ça serait cool ça. Ils gagneraient aussi moins d'argent. Ils gagneraient moins d'argent, ils le feront pas, donc forcément, malheureusement, ça arrivera jamais. Mais ce système m'aiderait beaucoup, quoi. Donc bon. Je pourrais aussi très bien abonner mes persos un an, sauf qu'il faudrait que je dépense 45 euros x 8, ce qui est largement impossible. Hein. J'ai pas envie de dépenser 350 euros dans Dofus. Largement impossible. Oui, c'est, j'ai envie de dépenser tout dans des fringues, voilà, dans les soirées. Il n'y a pas moyen de s'abonner un jour ou trois jours. Aller voir des escort girls, par exemple. Quoi? C'est 7 jours minimum. Ah ouais. Ouais, 7 jours minimum, ouais. Bah, c'est vrai que je pense qu'en tout, j'ai dû penser vers les 25 millions de kamas, voire plus. Dans les 35 millions à 40 millions de kamas en tout, depuis que. Depuis 2-3 mois, je pense, dans l'abonnement de Dofus, parce que c'est. Ah, moi aussi. Hein. Si c'est infernal, ça. J'aurais 40 millions de kamas en plus si je m'abonnais par argent IRL. Mais je gagne pas assez d'argent IRL pour me permettre de payer des abonnements sur Dofus. Si encore je gagnais 2000 euros par mois. Ou on va dire 600-700 euros encore, ça me dérange pas de dépenser, on va dire, 40 euros par mois dans Dofus. C'est, si j'ai que ça payé, ça me dérange pas, quoi. Mais là, c'est pas possible, non, malheureusement. Allez, la SRAMette, il reste plus que combien de points de vie? 1479 points de vie. Elle lance piège répulsive. Piège répulsif. Et là, c'est au tour de Bocal qui va pouvoir relancer ses pièges. Enfin, ses pièges, ses glyphes plutôt. Le Feka qui va avoir des modifications très bientôt au niveau des glyphes et des boucliers. Donc des glyphes, quand le personnage passera dessus, va perdre des points de vie. C'est ce que j'avais entendu sur le dev blog dans Kama. Et aussi au niveau des armures. Donc une armure spéciale attaque au corps à corps, une armure spéciale attaque à distance. Donc voilà. Donc soit... Ah, c'est Dalida qui chante là. Il n'avait que 20 ans. Une question intéressante, les joueurs doivent s'abonner pour participer au Ghoul Terminator? Alors je pense que oui, mais je sais pas, je pense que oui, ouais. Enfin, doivent moi, j'ai payer pas pour participer? Oui. Payer, non, pas, ils sont pas obligés de payer pour participer, non, pas du tout. Non, mais pour l'abonnement, quoi. Oui, je crois, oui. Ah, c'est chiant ça. Je pense qu'il faut être abonné. Ouais. Je pense qu'ils s'en battent les couilles, hein, vu comment ils ont leur stuff. Je pense que c'est pas 300 000 kamas qui va les affecter. Ouais, le genre de personnes qui se retrouvent en Gulta. Y a pas trop de problèmes de caméra, ça va. Là, le steamer qui essaye de jouer avec écume, moins 80 sur le SRAM, qui a quand même 3000 points de vie, le SRAM saut, donc il est pas... Et par contre, là, il vient de prendre 272, donc il a fait écume pour qu'il soit collé, pour avoir des dommages poussés, un peu plus imposants, pour faire, par exemple, son attaque... De quoi? On est dans la merde, il y a le FBI dans le chat. Il y a le FBI dans le chat. Ezor, comment tu t'appelles? T'as quel âge? T'habites où? D'accord. Ok. Et je répondrai pas à ça, malheureusement. Ça reste dans le domaine privé. Dans le sens, ça affecte ta vie. Ta chaîne a commencé avec Dofus. Tu as gagné des abonnés avec Dofus. Avec tes abonnés, tu gagnes de l'argent. Et comme tu as une belle chaîne YouTube qui te permet de gagner de l'argent, tu vas en faire ta vie. Donc, dans le sens, ça affecte ta vie. Enfin, il gagne pas 1500 euros non plus. Non, je gagne pas 1500 euros. Je peux juste m'acheter un paquet de mouchoirs. Quoi, c'est tout. Ah, je rigole. Non, je rigole, mais. Ça lui permet de vivre. Enfin, ça me permet. Non, je pourrais pas dire que ça me permet de vivre. Si j'ai pas d'argent, je m'en fous. Moi, c'est pas l'argent qui va me rendre heureux de toutes les manières, mais ça, on va dire que ça y contribue un petit peu quand même. Ça permet de pas être dans la misère. Allez, ça y est, Light Echo, par contre, lui qui se fait plaisir, qui arrive à voir Onizuka, So et Bocal dans la cliff. Après, il faut voir s'il a beaucoup de retraits PM. Ça, je ne sais pas encore, mais on verra de toute façon autour d'Onizuka, de So et de Bocal. Alors, on nous demande pourquoi t'as créé une team. Bah parce que pour les lives, pour faire des donjons en live, pour que ce soit beaucoup plus simple. C'est toi qui as lancé la mode de team ou il y avait déjà ça? Non. C'est comment ça il s'appelle Châteaufou qui a commencé à lancer un peu la mode des teams. Ouais. Comment faire pour rejoindre le serveur Gultar mode spectateur? Ben c'est un peu trop tard. Ouais. Donc, t'as pas à t'en soucier, c'est bon, tu peux y penser pour l'année prochaine. Il a demandé quoi? Comment rejoindre le serveur en mode pour être en spectateur quoi, pour c'est voir trop le... tard. Ouais, largement trop tard là. Il y a d'autres questions. Allez, le Losamoda qui
stimule, ah ouais. On va dire, ma façon, il stimule le SRAM. Ce qui fait que le SRAM monte à 13 8 PM. Il a été bien boosté. Il a eu donc cri de l'ours, piqueur motivant et creux du melou, ce qui lui donne 150 puissance pendant 2 tours. Ce qui est quand même pas négligeable avec les résistances qu'a l'équipe de Joel. Donc bon, voilà. Ezor, tu fais des vidéos BO2, je crois que non. Au début, quand t'es sorti, oui, mais BO2, c'est plus mon truc. Call of Duty, c'est... Par contre, pour ceux qui regardent le live sur ma chaîne, quand la bêta va sortir, normalement, vous aurez déjà une vidéo sur le multijoueur de Battlefield 4. Et aussi, plein de vidéos. Enfin, moi, je vous expliquerai tout ça. Je vais pas parler d'autres jeux sur du Dofus, hein, parce que c'est pas forcément super, mais bon, voilà. Vous en aurez. Alesso, qui a utilisé piège répulsif, piège de silence, piège mortel... Et il vient de perdre moins 359 points de vie. Allez, là, Liari, il ne reste plus que 1191 points de vie. C'est parti, faut croiser les doigts. Faut vraiment croiser les doigts. Malheureusement, hein, j'ai rien contre la Liari. Mais bon, comme je suis pour Joel, hein, vu que c'est mon serveur, j'ai vraiment envie qu'il gagne. Et Zor, tu connais Gugus le Fun. Bah, heureusement que je connais Gugus le Fun. Heureusement. Bientôt 300 viewers. Ouais. C'était il y a combien de semaines qu'on avait dépassé 300 ? Je sais plus, mais c'était pas mal. Ouais. Allez, on est parti. Bocal, qui envoie renvoi de sort sur les K-Flip, Onizuka. Le Fega qui tape pas trop. Lui, il est vraiment là pour donner des résistances, ralentir, renvoi de sort. Il est vraiment... Il tape pas trop. Hein. Bocal, il est aussi pour soin avec Archétype. Donc lui, c'est vraiment... Il protège vraiment sa team, quoi. C'est vraiment le... Le boss, et on le sait, on le voit depuis le début hein, de que je stream les matchs de Joel, mais bon. Et ça, il envoie des glyphes, donc ça enlève 2 PM au chauffeur lancé, mais ça, on s'en fiche un peu. Et il reste où là? Attends, il reste 874 points de vie au SRAM, et il reste aussi 1357 points de vie à la steameuse, donc c'est très très serré quoi. Bientôt 300 viewers. Ezor s'appelle Damien. Je veux. Oui, mon prénom c'est Damien. Et Antonio, quand je travaille aussi la journée avec Carglouche. Ah, Carglouche. Carglouche, je parle. Carglouche, l'emplace. Salut, c'est Antonio Carglouche. Comment cela va-t-il? L'été, c'est vrai que c'est chaud. Et là, je vais pas continuer parce que c'est bon. Après, ça va partir en live. Ça tombe bien. 312 viewers. Ouais, c'est vrai. Ah, ça... oui. 312 viewers, merci à vous pour ceux qui viennent de rejoindre le live. N'hésitez pas à vous abonner à mon Twitch en cliquant sur le bouton follow. Poursuivre mes prochains lives sur Dofus, que ce soit sur ma team ou sur DayZ, sur d'autres jeux BF3. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur le bouton follow pour vous me suivre. Voilà, dès que je fais un live, vous serez au courant. Ça vous avoir un petit mail ou un petit message sur Twitter. Allez, Onizuka, c'est à son tour de jouer. Bon, par contre, il reste plus que 2 PM. Donc ce qui fait, c'est qu'il lance une petite Odora. Bien sympathique. Il reste 7 PA et il invoque le chaton. Donc le chaton, ce qui va être bien, c'est qu'il va pouvoir le soin. Et il vient de perdre, il vient de prendre du moins 516, ce qui est quand même pas mal. Et heureusement qu'il y a les chatons qui sont là. Gros retrait de la part de Bocal, moins 3 PM, 1 PA. Onizuka qui a reçu du 400 soins de la part de ses chatons, donc 200 du premier chaton là, et l'autre ici. Allez, donc ils sont vraiment gênés, hein. Vous avez vu, Lighteco a été gêné par le Doppelsteamer, si je me trompe pas. C'est bien le Doppelsteamer. Ouais, c'est le Doppelsteamer. Donc voilà, c'est. Il vient de se prendre un piège mortel. Le Feka. Donc voilà, il vient de se prendre du moins 340. C'est cool. Donc ce qui fait que si Joel a le triple XP, moi d'accord. Le quintuple XP aussi. Le double XP, bah, ça va être cool pour ma team parce que je vais tout l'abonner et pour aller XP. Pour vite monter parce que j'aimerais bien mettre mes persos en mode. Comment ça s'appelle en mode bague éternelle, voilà. J'aimerais bien leur mettre la bague éternelle, ça pourrait être cool. Lâchez le pistolet. Lâchez le pistolet. Je braque avec le pistolet. Arrête de ficher ma gueule. Arrête de ficher ma gueule. Yeah. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Mohamed, écoute-moi, moi je merde. Un Oulu Couptel. Alors attends, il vient de faire du plus 1270 soins. Le Zobal, l'Osamoda, il a fait un soin qui est juste énorme. 1278 en soins, c'est...
le steamer qui est resté plus que 1100 points de vie, il est bien. Et l'Aliari remonté à 2000 points de vie. Bon, je crois qu'il a eu un petit boost. Je vais regarder ça. Ouais, il a eu résistance naturelle qui lui donne quand même 1223 points de vie. Moi, c'est Mamadou. Écoute-moi, Memedo. Écoute-moi, boule nudette. Mais attendez, il n'y a pas de double XP, hein, c'est pas gagné encore. Hein. Attendez, c'est serré, donc voilà. Parce qu'elle... Ouais. Oh putain. Oh non, Kaiouju, il reste 662 points de vie. Non, local, faut que tu fasses TP et IMU sur le Kaiouju, là. S'il te plaît, ouais, sauve. Il a pas la... Il a la relance de IMU, t'es sûr ? Normalement, oui, je sais pas, mais normalement, oui. Double XP pour combien de temps ? Ah, le flou de là. Hein. La raquette 67, je suis Gaezor, ça te dérange, je donne des abonnés, non, tu viens comme tu es, comme dans McDonald's, tu vois, venez comme vous êtes. Tu peux être...